Allez, top. Donc, toi, c'est... Esquive. Fort, t'as pas d'or. On peut l'applaudir pour le travail. Tu vas pas, tu fais pas de l'effort, tu fais pas ton 100%. Si chacun de tes jackpots, tes additions, plus les pratiques, meilleur tu vas devenir. C'est la même chose au karaté, c'est la même chose à la maison, peut-être en faisant son lit également. Colle les pieds, va chercher les orteils. On est en moins de bon. On est en 5, 4, 3, 2, 1. Ramène les pieds, pousse sur les genoux. Pour 5 secondes. Monsieur, concentré, qui est jackpot, j'ai besoin d'un résultat. Oui, monsieur? Oui, monsieur. Go! Go! Marche jambe 1! Marche jambe 2! 3! Position jambe devant, pliée, prépare-toi, 3 marches de jambe, au maximum, marche jambe. Ok, dépose devant, jambe. Et on se lève. Go! Ok, les gars? Succès! Go! Bon, on faisait. Troisième finale et le premier kata. Le premier kata d'armes de son musique caractéristique. Tu es bien à la position en position. Tu es fait un peu moins concentré les yeux. Concentré les yeux. Concentré l'esprit. Concentré les yeux. Le corps. Concentré les mains. Qu'est-ce qu'il y a de différent? On plie en dos. La main haut, plop, ja. On plie en dos. Plop, ja. Plie le bras droit pour croiser derrière. Plie la bombe à pied, chute. Là, j'ai Ripi qui fait les chutes pour 10 sur 10, excellent! Marche chute! Marche chute! Bloc en main! Il est en gaz. Puis le bras gauche, bloc! Marche 5 pieds! La main droite, bloc en bas de l'autre. La main en bas, tourne en arrière, frappe! Marche, c'est la gauche, pick up! Main gauche, bloc en bas de l'autre. Marche! Marche up! Cours, cours! Marche up! Cours, cours! La main gauche, on est bloc en bas. Marche, c'est la main droite, pique de la main gauche. Main droite, bloc en bas de l'autre côté. On se porte, je vais voir les positions qui sont jusqu'à la fin. Marche, c'est pied. La main gauche, bloc en bas derrière. Partie plus difficile, marche up! Roule. Marche up. Roule canon. Dernière fois, marche up. La main arrière fait les trois mouvements. Go. Marche. C. Allez. D. Roule. Main droite chute au dos. Montez la position, montez la position. 10 sur 10. Go. Marche. C. Roule. 3, 2, 1, position! Comme beaucoup de ceintures jaunes aujourd'hui ont commencé ninja, qui sont déjà rendus. Ceinture noire au mur que vous voyez de l'autre côté, c'est tous des membres de ceinture noire. Donc, les jeunes maintenant, quand ils se présentent au karaté, ou les moins jeunes. On a toujours notre ceinture ici qui nous attend. Donc, la ceinture à laquelle on aspire, la ceinture noire, l'excellence de la ceinture noire. Donc, on peut applaudir M. Adam Boudra, ceinture verte. Excellent, donc Ilias, depuis son début, hein, il a commencé avec un jeune un petit peu timide, de ceinture en ceinture, il a pris une belle confiance. Et surtout depuis qu'il a passé au cours évolution sur la ceinture jaune-orange, il a passé avec une belle évolution de ses techniques de frappe, ses pieds, ses poings, des petits.
justement, c'est kata, la ceinture orangère. Maintenant, ceinture toute ceinture noire, bien, il est prêt pour des nouveaux défis, des cours de combat, des nouveaux kata d'armes, et se rendre à l'excellence de la ceinture noire dans quelques années peut-être. Mes conseils, de continuer à forcer à son maximum, faire son 10 sur 10 à chacun des cours, chacune des positions, et de voir chacune des techniques, les apprendre avec beaucoup d'intérêt, avec avoir une belle soif d'apprendre, c'est le meilleur conseil que je peux lui donner. Donc, de toujours faire son meilleur, je pense que c'est l'athlète du succès parce qu'il a déjà les aptitudes physiques pour bien. Moi, je suis contente d'avoir ma nouvelle ceinture verte. J'ai hâte de faire les nouveaux katas et les combats. J'ai hâte d'avoir ma ceinture noire et d'être comme les aideurs qui sont là-bas et tout. L'école de karaté, je trouve que c'est vraiment bien. Et aussi, on apprend à se contrôler, la discipline, écouter bien les consignes, je trouve que c'est bien, moi. Chute. 3, 2, 1, position. Un beau salut. Dad.